Ok, c'est lundi qu'il y a des affaires. Cette semaine, j'ai eu envie de fouiller là-dedans avec vous. Puisque les friperies sont fermées, puis qu'une de mes occupations, un de mes plaisirs dans la vie, c'est de fouiller dans les friperies et de trouver des petites pépites, je me suis dit que ça serait fun avec vous de regarder dans ce gros sac-là qu'est-ce que je pourrais faire comme trouvaille. En fait, c'est des vêtements que ma soeur ne voulait plus, donc elle m'a dit « Anne-Lo, j'ai eu plein de linge à donner, fouille là-dedans, puis ce que tu veux plus, je vais le donner à mes amis. » Fait que ma soeur, c'est le genre de personne qui achète quand même beaucoup, beaucoup de vêtements, autant usagés, plus usagés en fait que des vêtements neufs. Puis elle se tend aussi quand même très vite comparativement à moi, donc souvent elle a du linge à donner, ce qui fait vraiment mon bonheur parce que moi je trouve qu'elle s'habille super bien, puis j'ai toujours envie d'y emprunter ses vêtements, donc quand elle a des trucs à donner, je sais que je vais faire des trouvailles ou que je vais trouver des trucs beaux. Habituellement en tout cas, je trouve tout le temps quelques petits trucs beaux. Donc là, elle m'a dit qu'elle avait fait un méga ménage, puis comme on peut voir, la poche est assez imposante, fait qu'on va faire ça ensemble, puis à la fin, je vais vous montrer les vêtements que j'ai décidé de garder. Sans vous attendre, ben on commence hein, parce qu'il y a beaucoup de vêtements, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai hâte d'arriver chez nous juste pour faire cette vidéo-là parce que j'ai pas pantoute regardé dedans c'est quoi qu'il y avait. Je me suis dit, je vais vraiment attendre de filmer la vidéo, sinon ça va être comme tricher. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a. Ok, on dirait que je vais comme. Je pense que je vais enlever qu'est-ce qu'il y a sur le dessus là sans trop regarder. Ah, oh, ben j'ai vu ces shorts-là, ils ont l'air beaux. Oh, wow, ils sont donc bien beaux. Check it. Donc je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une pile de vêtements qui m'attire tout de suite. Puis à la fin, je vais les essayer, puis je vais regarder vraiment qu'est-ce qui me fait bien, qu'est-ce qui a vraiment du potentiel. Donc ça, définitivement, c'est quelque chose que je pourrais mettre. Sentez-vous, là, on dirait que je suis comme full, wouhou! Je me sens dans la frénésie, là. Fait que cette calotte-là... Non, vraiment pas mon genre. Je vais peut-être pas tout vous montrer, là, parce que ça risque d'être quand même long. Mais certainement, ce que je vais trouver de beau, je vais vous le montrer. Ça, c'est un basic, mais j'aime pas les cols ronds. Ensuite, on a, oh my god, cette petite robe-là. Cette robe-là, c'est moi qui avais acheté ça. Ça fait vraiment longtemps. It's a no-go. Le ligné. Je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment le genre de personne qui se tanne pas trop ses affaires. Tu sais, je peux porter mes vêtements longtemps, là, jusqu'à ce qu'ils soient plus beaux ou est-ce qu'ils soient usés. Tu sais, comme celle-là, il y a des trous, mon chandail, là. Là, faut que j'y recoude ou que je le donne parce que, ou que je le jette parce que... Ce chandail-là, il est beau. OK, peut-être. Ensuite, on a... Chemise comme ça pour travailler, peut-être. Parce que moi, je travaille dans des trucs, il faut tout le temps que je sois habillée en noir dans les événements. Peut-être je regarde ces souliers-là. Non. Là, je vois un tissu là, qui semble intéressant. Ça, c'est mon genre de tissu. Les affaires de même, là. Tu sais, des affaires vieillots, là. Commencez à me connaître, vous devez savoir que j'aime un peu ça. Ah, j'aime ça, pour vrai, il est cool. Ouais, le velours côtelé comme ça, là, on dirait que je trouve que ça a la cote. Surtout le vert kaki, je trouve ça beau. Puis ça peut faire comme un genre de petit manteau de printemps, justement, là, où, je sais pas, on dirait que je me vois dans des champs avec ça. Même si je vais jamais dans des champs. Je l'ai Mex qui est fermé, mais Mex ils ont vraiment une qualité dans les tissus. Quand je vais dans les friperies puis que je vois des trucs Mex, souvent je les achète quand c'est beau. C'est vraiment des vêtements que tu laves qui restent beaux parce qu'ils sont faits de qualité. Fait que moi souvent, ben quand je vois Mex, je sais que c'est de qualité, mais je l'aime pas vraiment. Oh! Là, ça s'en vient l'été aussi, il faut penser à ça. Ça, je trouve ça beau. Je pense que je l'avais déjà essayé puis qu'il était pas super confortable. Je l'avais déjà pris dans les affaires de ma soeur, je pense. Mais je vais l'essayer encore parce que pour vrai, cette couleur-là, d'habitude, c'est une couleur qui me va bien. Ça, on a toutes nos couleurs là, qui fit plus avec notre teinte de peau puis tout ça. Moi, le rouge, ça... Généralement, j'aime assez ça. Ouais, je sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais moi j'ai une sœur plus jeune de comme 18 mois, puis un frère plus vieux, puis je m'entends super bien avec mon frère et ma sœur. Puis ma sœur, ben, on a quand même une relation assez proche, et on se dit beaucoup de choses, on aime ça passer tout ensemble, puis je suis vraiment reconnaissante de ça parce que je sais que pas tout le monde s'entend bien avec sa sœur ou son frère, il y en a aussi qui ont beaucoup de différences. Malgré que moi et ma sœur, on est vraiment, vraiment différentes. T'sais, moi je suis plus grano, DIY, tout ça. Elle est plus fashion, elle est plus. Elle aime beaucoup le plein air aussi, mais il y a quand même plein de qui font en sorte qu'on s'entend bien, qu'on a des affinités, puis qu'on aime passer du temps ensemble. T'sais, j'ai plein de mes amis aussi qui sont pas pareils que moi. Bon, ça, je voulais montrer, là, les petits jeunes, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Petit chandail vert non plus, pas mon genre. Ben, si je vais à ce rythme-là, on va en avoir pour toute la journée. Petite chemise comme ça. Not bad, par contre. Ouais. Cette petite chemise-là, je la mets dans les peut-être. Oh my god, ça, j'aime ça. Par contre, je suis pas sûre de comment qu'elle l'a coupé, là. J'aime la couleur, mais je suis pas sûre. Je vais l'essayer. Ok, je vois quelque chose qui a l'air beau.
Ouais, ça, j'aime vraiment ça. Les affaires blanches, là, généralement, j'aime vraiment ça. Ça a l'air quand même transparent, par contre. Tu sais, c'est plus le genre de truc peut-être qu'on va mettre en dessous d'un maillot, mais je vais l'essayer. Oh mon Dieu, c'est trop beau, ça! Sérieux, ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est tellement drôle parce que pour vrai, là, ma garde-robe doit être à 50% presque faite des vêtements de ma soeur ou des trucs, puis des trucs usagés que je trouve. C'est vrai, là, souvent, ma soeur, elle a vraiment des beaux vêtements, hein, puis ben, moi, j'y prends. Ça, la joie d'avoir un frère ou une soeur. Prenez-vous les vêtements de votre frère ou de votre soeur, même de votre père. En tout cas, ça dépend, là, mais moi et ma soeur, quand on était jeunes, c'est drôle parce que c'était tout le temps elle qui prenait mes vêtements. Puis ça me gossait au plus haut point. Puis maintenant, c'est comme le contraire, c'est moi qui vais dans ses vêtements. Ah! Bon, là, je viens de remarquer que mon sel avait coupé, fait que je sais pas trop ce que vous avez manqué, mais il y avait ce gilet-là que je trouvais beau, qui me faisait penser à l'œuvre, je pense, de Michel-Ange, mais là, avec des verres de Burpoint. Puis je me disais qu'avec les shorts beige, ça pouvait être beau. Sinon, il y a aussi cette tunique-là que j'ai vue, que j'ai vraiment mis souvent. Avant, je prenais, puis là, elle veut plus. Fait. Puis j'ai ce gilet-là aussi que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup la couleur. Ok, on a ce gilet-là. Texture style combine un peu. On dirait que j'aime pas trop ça, moi, les trucs de genre combine. Parce que justement, ça me fait penser à des combines. Fait que je trouve pas ça super beau. Donc ça, it's a no. Ouh! C'est genre la caverne d'Alibaba là-dedans. Ok, linge de sport, ça j'en ai tellement. Mais quand même belle, par exemple. Ok, je vais l'essayer puis on verra après. De toute façon, tout ce que je mets dans cette pile-là, ça veut pas dire que je vais les prendre non plus, là. Venice Los Angeles. Genre de gilet, je m'imagine que je pourrais le couper en crop top, mais en même temps, j'aime pas trop le design. Ça sert à rien que je le garde. Ici, c'est des pantalons. Ils sont beaux, mais j'ai comme vraiment beaucoup de jeans. On dirait que je porte beaucoup plus des tailles hautes. En fait, j'ai aucune jeans taille basse. Aucun pantalon vraiment taille basse. Ouais, je pense que la mode est beaucoup taille haute. Puis je trouve que ça fait plus des belles hanches aussi. Puis je sais pas. On dirait que je trouve que ça met plus le corps de la femme en valeur. Donc, all the way pour les tailles hautes. Ça ici, un genre de tissu un peu, on dirait, de... Pas de maillot de bain, là, mais l'affaire qu'on met pour aller dans l'eau, là, que ça nous garde au chaud. En tout cas, voyez un peu le tissu, j'aime pas ça. I just don't like that. Oh my god, a one piece. Mais il est vraiment beau en plus, sauf que il me semble qu'il a l'air minuscule. Je vais l'essayer, who knows. Je la trouve quand même belle, mais on dirait que le ligné, je suis un peu tannée. On dirait qu'il y a des motifs qu'on a tellement mis par le passé que là, on se tanne puis on a comme plus envie d'acheter ça. Comme justement, le ligné, c'est limite, le carotté, oh, j'ai bien de la misère. Tout ce qui est comme croix, eldange, tout ça, là, non. Même les fleurs, là, pour que ce soit des très très petites fleurs, sinon, j'aime pas vraiment ça. Top de sport, non. Comme ça, c'est quand même cute, mais je sais pas trop à quel point je vais mettre ça. On va l'essayer, on va voir. Après ça, on a ce gilet-là, qui est que justement des grosses fleurs et du ligné, donc... et qui vient... Ça, on gâche-tu? Ouais, c'est Urban Planet Streetwear. Tous les magasins de fast fashion, là, j'ai bien moins de la misère. Je pense qu'en fait, toute ma garde-robe vient de des friperies, là. À part des... certaines exceptions. Déba, it's a no. Hey, ça là, oh my god, cette veste là, c'est quand on a fait le défi Pierre-Lavoie. J'ai fait le défi Pierre-Lavoie en secondaire 4 puis en secondaire 5. Pour ceux qui savent pas c'est quoi en fait, c'est comme, c'est en deux jours, une quarantaine de kilomètres, mais c'est tout le temps comme à relais. Fait que tu fais un kilomètre, tu rentres dans l'autobus, il y a deux personnes qui sortent, ils font un kilomètre. Fait que c'est vraiment comme ça à relais, tu fais la distance de Montréal-Québec. C'est tellement un beau challenge. Moi là, j'ai tellement des beaux souvenirs associés à ça. Tu sais, tu passes 24 heures dans une bus, le soir, t'as une course de nuit, puis pendant toute l'année, tu t'entraînes. C'est vraiment formidable, puis ça te montre à pousser tes limites. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça motivant, puis je me souviens que quand j'ai passé la ligne d'arrivée du défi Pierre-Lavoie, je me suis dit, waouh, dans la vie, je peux tout accomplir. T'as tellement l'impression que c'est un exploit, puis tu sais, j'imagine que c'est la même chose pour ceux qui font des marathons, des demi-marathons. J'avais tellement trippé, puis ils nous avaient donné des vestes comme ça, commanditées par différentes choses, là. Ben, pas grand-chose, dans le fond. Puis bref, c'était la veste qu'on avait. On avait une rouge, puis j'en avais une bleue aussi à une des deux autres années. Bon, là, guys, on est vers la fin du sac. Hey, ça, c'est beau! Ah,
J'aime moins les lignes un peu. Mais tu sais, c'est le genre de petit top là en été, là, que c'est le fun de porter parce que c'est léger. Puis regarde, je vais l'essayer. Puis on verra bien. Ça ici, it's a no. Tellement drôle parce que tu sais, c'est tous des vêtements que ma soeur veut plus. Puis moi, je trouve tellement des belles affaires là-dedans. Puis tu sais, c'est la même chose pour quand on va porter des trucs en friperie. C'est des trucs qu'on veut plus, mais ça fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Puis je trouve que c'est ça qui est beau avec les friperies, c'est qu'on peut tellement donner une deuxième vie à des articles que d'autres personnes n'aiment plus, mais que nous, on aime. Des leggings, ça j'en ai une paire, je suis correcte. Et là, il semble que c'est minus. Ok, je pense que c'est un haut ou une robe. Hey, j'ai jamais vu ma soeur avec ça, honnêtement. Là. Non, savez-vous que c'est pas mon genre? Oh non, déjà la fin. Ma fille, elle n'a pas eu assez. Oh, bae. Ça, c'est quand même cool, là, j'imagine, genre avec des grosses shorts. Puis finalement, des shorts de pyjama et un coton. Alright! Fait que, Colin, j'ai vraiment beaucoup trouvé d'affaires. Je suis vraiment surprise. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi. Je viens littéralement de terminer les essayages puis je me sens autant fatiguée que quand je m'en vais magasiner pendant des heures dans les friperies. Ça tire du jus, hein? Ça, c'est ce que j'ai pas gardé. Puis je vous montre qu'est-ce que j'ai finalement gardé. Alors, j'ai vraiment juste gardé mes coups de cœur. Donc, j'ai pris ces shorts-là que je trouve vraiment belles. Puis que je m'imagine avec un petit top en haut, ça peut être super cute. J'ai gardé ce petit top-là parce que je le trouve vraiment nice. Puis je m'imagine, mettons, l'été, je sais pas, dans un party avec des shorts en jeans qui montent hautes. J'ai gardé ce gilet-là parce que c'est juste vraiment dans mes couleurs, c'est un chandail simple, confortable. Puis honnêtement, les trois critères que je viens de vous dire, c'est pas mal ce que je recherche chez les vêtements. J'ai gardé ce petit top-là parce que je l'aimais full, puis j'ai des shorts gris, taille haute, donc je pense que ça pourrait être super beau avec. J'ai finalement gardé cette chemise-là vraiment, vraiment basique pour aller travailler quand j'ai des événements puis que je dois être habillée en noir. Je trouve que ça fait parfait. Même chose pour lui, ça c'est vraiment le genre de gilet que je vais mettre le week-end quand j'ai pas envie de me casser la tête avec un jeans. Il est vraiment doux là, le tissu, c'est comme spécial, on dirait une doudou. Celui-là, c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore. Faut juste que je trouve une manière de l'agencer. Puis j'ai gardé aussi cette petite tunique rose-là parce que ben j'aime la couleur rose premièrement. Puis c'est le genre de tunique, tu sais, comme vraiment passe-partout que tu peux mettre pendant l'été. Pas compliqué, confortable. Puis ça, c'est le genre de truc que j'adore porter. Puis des robes, c'est vraiment... Je pense que je porte quasiment juste des robes là, l'été. Fait que super contente parce que j'ai juste gardé mes coups de cœur. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel morceau de linge que vous avez flashé dessus puis que vous êtes comme... Moi j'aurais pris ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Le concept était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouve ça le fun un peu d'explorer d'autres choses. Puis voilà, ben moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une autre vidéo. On se voit très très bientôt.